Oh mon Dieu! La directrice est sur le point d'accoucher! Vous devez vous allonger! Je vais vous aider à faire sortir votre bébé! Poussez! Il arrive! Je l'ai attrapé! Vous avez un garçon en bonne santé! Je devrais lui injecter un sérum de croissance! Voilà mon grand garçon! À partir de maintenant, c'est lui le principal! Pendant que je pars en vacances! Au revoir! Un enfant? Je garde un œil sur toi! Je garde un œil sur toi! J'ai besoin de faire pipi! Pas si vite! Je passe en premier! Je dois éclater un bouton! Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Je veux me raser les jambes pendant que j'y suis! Burk, ça fait beaucoup de poils! Oh, je vais aussi utiliser des cisailles de jardin pour couper mes ongles! Voilà! La 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 la! Oh non! Je ne peux plus me retenir! J'ai fait pipi par terre! Burk, tu viens te faire pipi dessus? Le professeur prenait trop de temps! Sors maintenant! Bon sang! Quel est ce vacarme? Tu as fait pipi par terre? Je ne vous avais pas vu là, monsieur le principal. Nettoyez les toilettes vous-même. Utilisez ces outils. Commencez maintenant. Le professeur utilise toutes sortes de détergents colorés pour nettoyer les toilettes. Ensuite, je vais utiliser un savon moussant. Je vais en mettre une bonne quantité. Ça devrait suffire. Tout est mieux avec des paillettes. Ensuite, je veux ajouter mon snack préféré, des Skittles. Voilà, la concoction est terminée. Il ne me reste plus qu'à tirer la chasse. Tout est propre. Sortez d'ici, j'ai besoin de faire caca. Zou, zou. Enfin. Être principal peut être tellement stressant. Hein? Voici l'argent. Tout est bon, tu peux entrer. Dépêche-toi avant que quelqu'un me voie. C'est suspect. Qu'est-ce que ces étudiants mijotent? Wow, l'intello a eu une transformation totale. Qu'y a-t-il là-dedans? Des produits de beauté? C'est un salon de beauté. On dirait que vous en avez besoin, monsieur le principal. Des boutons? Aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Commençons par du savon pour laver vos cheveux. Ensuite, rinçons après le lavage. Ensuite, mettons ces oursons en gélatine dans un bol. Je vais utiliser un sèche-cheveux pour chauffer les oursons en gélatine. Après qu'ils aient fondu, utilisez un bâtonnet de glace pour en prendre un peu. Je vais utiliser ça pour épiler votre moustache. J'ai tout enlevé. Maintenant, je vais utiliser ce recourbe-ci pour enlever vos boutons. Cela fera sortir facilement le pli des boutons. Vous êtes superbe! Vous voulez voir le résultat? Waouh! Je suis si beau! Bienvenue au test! Strictement aucune triche! Qu'est-ce que c'est sur ton poignet? Une anti-sèche? Je vais te l'effacer! Aïe! Ça fait mal! Tu vas chez le principal! De beaux ongles! Où les as-tu faits? Au salon de triche? Chez le principal! Fille studieuse, je sais que tu ne tricherais pas. Tu peux continuer le test. Monsieur le principal, tu as été surpris en train de tricher? Montre-moi ta langue. Je vais écrire le code de triche là parce que c'est comme ça qu'on triche parfaitement. Tout est bon. Waouh! Et moi? Je vais te couper cette main. Quoi? C'est une fausse! Oh mon Dieu! Tu peux porter cette veste sur ton bras. Ainsi, tu peux cacher ta vraie main et tenir ton téléphone tout en montrant la fausse main. Oh, je comprends. Grâce à l'astuce de monsieur le principal, je peux voir l'anti-sèche sur mon téléphone. Je vais tellement réussir ce test. Continuez comme ça, toi aussi. Cette astuce est super efficace. Voici votre repas. Donne-moi ton assiette. Mon grain de beauté me démange tellement. Oups, le grain de beauté est tombé dans la nourriture. Quel genre de nourriture donnez-vous à mes étudiants? Oh, la bataille commence. Boule de purée smash. Hiya! Couvrez-les! Une autre. Oh, vous n'allez pas aimer ça. Une autre boule. Aïe, je suis
touché! Nous avons un homme à terre! Je n'ai plus de purée! Ah ah! J'ai encore des pois! Attaque de balles de pois! Attention! Oh! Une autre boule! J'ai été touché! Ça suffit! Vous êtes viré! Vous me virez? Je ne partirai pas sans battre! Vous allez vouloir partir après que ce citron soit entré dans vos yeux! Oh! Sortez d'ici! Hé, hey, j'ai 4 boîtes de pizza pour monsieur le principal! Wow, pizza! Voilà la pizza que j'ai commandée! Tout le monde, régalez-vous! Manger est plus amusant quand tout le monde partage! Lolo! C'est un coca! Je ne pense pas que ce soit autorisé à l'école! Ça va à la poubelle! Tu devrais boire de l'eau à la place! Je veux goûter! Tiens, je vais te verser un verre moi-même! L'eau est tellement sale! C'est dégoûtant! Je vais récupérer mon coca! Où est-il? Pourquoi fout-il dans la poubelle? Trouvé! Oh, monsieur le principal! Laisse-moi voir! Cette eau est toute dégoûtante! Perk! C'est un coca? J'ai une idée! Je vous présente le distributeur de coca! À votre santé! Pourquoi ne pas essayer? Un coca? Allez, essayez! Je ne pense pas que ce soit une bonne idée! Faisons une blague à la mauvaise prof! Je vais mettre des manteaux dans son verre! D'accord! Puisque vous insistez, je vais essayer! Pourquoi est-ce une fontaine? Ah, je m'en vais d'ici! Il est temps de commencer votre test, les enfants! Oh non! Nous n'avons pas besoin de ces feuilles de test! Que faites-vous? Arrêtez ça! Ce test portera sur le meilleur encas que vous pourriez jamais préparer! Nous sommes partants! D'abord, je vais commencer avec ces raisins et du sucre! Je vais verser du sucre sur les raisins. Ajoutez un peu de jus de citron. Comme ça. Secouez le sac pour tout mélanger. Je sais quoi faire. Des oursons gélifiés Haribo. Attends, il n'en reste qu'un. Oh, juste le mettre dans un récipient et le remplir d'eau. Ensuite, je vais ajouter beaucoup de sel. Tada! L'ourson gélifié est devenu énorme. Ça a l'air si bon. Mes oreilles! Oh. Attends, ça me rappelle mon encas préféré! Du beurre de cacahuète! Je vais tremper un coton-tige dans du beurre de cacahuète! L'encas, c'est rumon! Je vais goûter vos chefs-d'œuvre maintenant! Eww, dégoûtant! C'est un F! Garçon dégoûtant! Et toi, l'intello, qu'est-ce que tu as pour moi? Des raisins? Oh, c'est trop sucré! Je te donne un B pour l'effort! D'accord, passons à la fille populaire! Un énorme ourson gélifié, hein? Nom! Ouh, c'est délicieux! Tu obtiens la note parfaite! J'ai gagné! À l'école, les élèves sont tenus de porter uniquement l'uniforme, ce qui signifie pas d'accessoires inutiles! Attendez, quelque chose ne me convient pas! Ces uniformes ont l'air totalement ennuyeux. C'est pourquoi mes élèves ne s'amusent pas. Oh, je sais. Tout le monde peut se déguiser en son personnage préféré. Voilà. Quoi? Je suis Chica. Je suis Kentastique. Je pense que vous avez fait une erreur. Pourquoi ne pas porter quelque chose de scintillant dans votre vie? L'école n'a jamais été aussi joyeuse et énergique. Pas question. Allez, bougez! Bougez! Oh, dribble plus fort! J'essaie! Arrête! Je vais dribbler sur ton visage! Aïe! Plus haut! Oh non! Oh, tu es tellement faible! Oups! C'est tout? Pourquoi ne peux-tu pas soulever quelque chose de plus lourd? Tu es tellement faible! Ça suffit, professeur! Quoi? Oh, monsieur le principal! Regardez ce que vous faites à ces pauvres étudiants! Je sais quoi faire!
Tu veux cette crème fouettée? Eh bien, mets-la sur ta main. Et tu ferais mieux de dribbler haut. C'est un tir parfait. Bon travail. Merci. Hé, je vais te donner une corde à sauter ou baboba. Tu fais du bon travail. Tu peux arrêter maintenant. Tu mérites de manger un manka. Bubble. Tellement délicieux. Je veux que tu soulèves les donuts. Tu peux le faire. Presque. Si près. Je suis arrivée. Vous êtes le meilleur principal de tous les temps. Oui, monsieur le principal. Je me sens très mal. Je crois que je dois éternuer. Achou! Mince, tous ces microbes vont se retrouver sur Ellie. Achou! Papa! Mon fils est malade. Je dois appeler un médecin. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je suis là. Votre fils est malade? J'ai la solution parfaite. Laissez-moi sortir ma trousse de premier secours. Ah, la pilule médicamenteuse. Tu dois l'avaler. C'est trop gros! Mais d'accord, je vais essayer. Ah! Oh non! Aiden a craché la pilule en direction des barreaux de la prison. Ceux qui trouvent les gardes, ce docteur a besoin d'apprendre un ou deux trucs. Je vais mettre la pilule dans une seringue et la remplir d'eau. La pilule sera dissoute et ma fille pourra la boire à la place. Tiens, prends ça. C'est comme ton jus de fruits préféré. C'est délicieux et je me sens tellement mieux. Merci, maman. Je vois. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Attrape ça, Doc. Qu'est-ce que c'est? Un broyeur de pilules, hein? Alors, on met la pilule dedans et on le referme. Il suffit de tourner jusqu'à ce que la pilule soit réduite en poudre. Parfait. Maintenant, nous allons la verser dans un verre d'eau et la laisser se mélanger. Astuce géniale! Tiens, pourquoi ne pas boire ça? Eh bien, cela nous évite un autre accident d'étouffement. Regardez! Un monstre d'ambre est venu hanter les enfants! Les enfants, réveillez-vous! Maman! Papa! Aidez-nous! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les parents sont venus réconforter leurs enfants. Endors-toi, ma chérie. Je veux que tu dormes avec moi. Le lit est trop petit. Très bien. Aïe! J'ai vraiment mal à la tête. Un oreiller? Je sais. Je vais en faire un oreiller à câlin pour que tu te sentes plus en sécurité. Je mettrai même ma photo dessus. Il est temps de dormir. Brrr, il fait si froid. Il n'y a pas de couverture. Alors je vais me faire un sandwich. Scanne la zone. Rien à signaler. Tu peux te rendormir maintenant. J'ai encore peur. Regarde, c'est ton jouet Pat Patrol. J'ai une idée géniale. Des lampes de Pat Patrouille et des peluches mignonnes pour te protéger pendant ton sommeil. Ta mignonnerie a vraiment fonctionné. Écoutez, vous avez un nouveau compagnon de cellule qui arrive. Ce type a beaucoup de tatouages. Waouh! Assieds-toi pendant que je fais de la paperasse. Cela devrait me tenir occupé pendant un certain temps. Des tatouages! J'en veux aussi! Tu veux ça? Donne-moi une seconde. J'ai apporté une aiguille à tatouage. Fais-le sur mon bras! Hé! Hey, arrête! Donne-moi ça! Oups! Tu n'es pas drôle, papa! Je sais! Que penses-tu de ces tatouages de bonbons? Il y a tes personnages préférés de la Pat Patrouille! Essayons-en sur ta main! Joli! Tu peux même le lécher comme une sucette! Ce tatouage en forme de bonbon est trop mignon! J'ai des tatouages sympas! La pauvre maman tenait la langue d'Aiden pour qu'il puisse lui voler sa barre chocolatée. C'est dégueulasse! Le trésor est en sécurité. Viens, je vais te montrer un truc. Je vais faire fondre le chocolat avec un briquet. Ensuite, je vais faire des formes de papillons avec le chocolat fondu. C'est un tatouage en chocolat en 3D, donc c'est aussi comestible. C'est délicieux! Je vais manger le reste de ce chocolat toute seule. C'est plutôt bon, hein? Je m'ennuie tellement! Je vais jouer! Est-ce que c'est un hérisson? Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Allons le chercher! Attends-moi! Viens par ici! C'est à moi! C'est moi qui l'ai! C'est moi qui l'ai! Voilà ce qui arrive quand on touche un hérisson! Papa! J'ai une écharde!
Ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour ça. J'ai ma fidèle trousse de premier secours avec moi. Elle est super protégée dans un coffre-fort et elle est cachée dans différents récipients. L'extracteur! Rapide et facile, et ça me fait pas mal. Et voilà! C'est trop cool! Ma pauvre, ça a dû faire très mal. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais utiliser cette paille pour faire sortir la plume. Tu es prête? Oh non! La plume est entrée dans la langue de maman! Je sais comment transformer une mauvaise situation en une nouvelle mode. Je suis une maman cool maintenant. Rock'n'roll! Qu'est-ce qu'il y a? Yo! Oh! J'ai bu toute une bouteille de coca! Oups! Maintenant, j'ai vraiment envie de faire pipi! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as besoin des toilettes? Les toilettes sont par là! Nous sommes là! Va-t'en et laisse-moi un peu d'intimité! Sors d'ici! Tout de suite! Comme tu veux! Fais comme tu veux! J'ai laissé un cadeau pour toi dans les toilettes! C'est vraiment dégoûtant! Je ne veux plus aller aux toilettes! Je vais appeler le nettoyeur! Je suis prêt pour la bataille. C'est l'ennemi le plus coriace que j'ai jamais affronté. Mais ne t'inquiète pas, avec quelques giclées de nettoyant pour toilette et un bon essuyage, ça sent la victoire. Oui, je peux enfin faire pipi. Quel soulagement! Oh non, j'ai vraiment envie de faire pipi. Qu'est-ce que les toilettes Skibidi font ici? Hein? C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste manger mon Nutella. Couvre tes yeux, c'est trop dégoûtant. C'est délicieux, tu en veux? Va-t'en, vilaine créature, ne reviens jamais. Il ne partira pas, alors nous allons faire une côtelette à la place. Je vais mettre du bicarbonate de soude dans un bol. Ensuite, je vais ajouter de l'acide citrique. Ensuite, quelques gouttes de liquide vaisselle. Mélangeons le tout jusqu'à ce que nous obtenions une bombe de bain. Tada! Ouvre tes oreilles. Es-tu prête? Je la lance maintenant. Hein? Pas d'explosion! Voilà, les toilettes sont propres et brillantes. Pourquoi n'essaies-tu pas de les utiliser? Je ne regarderai pas. Je dois te laisser ton intimité. Regarde-moi attraper des bonbons dans ma bouche. Je suis tellement douée pour ce tour. Aïe! Il s'est coincé dans mon nez. Papa est là. Oh mon Dieu! Je sais ce qu'il faut faire. Il faut l'aspirer. Aïe! Mon nez! Tire! Tire! Tu m'as transformé en lapin de poussière! Ah! Achou! J'ai trouvé les bonbons! Ils ont l'air délicieux! Arrête! Hein? Ne mange pas ça! C'est dégoûtant! Nous devons le jeter! Oh oh! Je veux des bonbons! J'ai une idée! D'abord, prenons une cuillère à sucre et fais-en le fondre jusqu'à ce qu'il devienne un bonbon liquide comme ça. Prenons un bâton de glace et trempons-le dans le bonbon. Puis, laissons-le durcir. Tada! Une sucette sucrée! Ouais, j'adore ça! C'est le bonbon le plus sucré qui soit! Un flic comme Aiden doit aimer les beignets. Il en fait tout un plat. Oh! Hein? Regarde-toi! Tes dents sont tellement sales! J'ai besoin du docteur. Quelle est l'urgence? Tu es là? Qui a des problèmes? Je ne suis pas le bon médecin pour ça. Pas si vite. Je te paierai le double si tu lui brosses les dents. Tu peux utiliser cette brosse à dents ronde spéciale. Et bébé Yoda t'aidera à appliquer la dentifrice. Elle peut brosser mes dents de haut en bas en même temps. Mes dents sont très propres. Tu as volé le fromage de la souris. J'ai faim! J'ai vraiment envie de fromage! C'est tellement bon! C'est quoi cette odeur? Elle vient de la bouche de ma fille! Son haleine sent si mauvais! Je dois l'obliger à se brosser les dents! D'accord, ma chérie, il faut qu'on te brosse les dents! Attends, quoi? Nous n'avons plus de dentifrice? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ah! Que va faire maman avec la pâte à modeler? D'abord, tu la mets dans un bol et tu le remplis d'eau. Ensuite, tu ajoutes quelques paillettes de sel. Puis, une cuillère d'huile de coco. Enfin, tu ajoutes un peu de bicarbonate de soude. Maintenant, mélange le tout jusqu'à ce qu'il y ait cette consistance. Nous avons maintenant un dentifrice DIY. Mais la brosse à dents est tellement sale. Utilisons une nouvelle brosse à dents. Hé!
J'ai coupé la brosse en deux et je les ai placées l'une à côté de l'autre pour qu'elles puissent facilement brosser tes dents de haut en bas et en une seule fois. Maintenant, trempons chaque côté dans le dentifrice et essayons. Waouh! C'est tellement plus facile de se brosser les dents! Tout est propre! Je vais dessiner un soleil heureux sur le mur. Je vais commencer par dessiner un cercle, puis le visage. Qu'est-ce que c'est que cette ordure? Ça devrait être en colère, c'est mieux. Le karma agit si vite, le policier a claqué ses doigts dans le portail. Aïe! Est-ce que tu vas bien? Ne t'approche pas de moi! Ça m'a donné une idée. Je vais mettre du ketchup sur mes doigts comme si c'était du sang. Et je vais aussi faire semblant de me taper sur les doigts. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du sang? Il faut appeler un bricoleur! Au secours! Je suis là! Détendez-vous, je m'en occupe. C'est du bon boulot! C'est moi, ton père! Ne t'inquiète pas, papa, c'est un faux! Oh, je vois que tu as mon intelligence! Oh, des beignets! Qu'est-ce que papa va faire? Utilisons-le! Transformons ces beignets en cale-porte. Et ils feront sortir toute la garniture délicieuse quand tu fermeras la porte. Tu pourras même en prendre une bouchée toi-même. Mon astuce ingénieuse fonctionne. Profite de ta nourriture. Bye bye! Le meilleur beignet de tous les temps. Il y a un cafard sur le bureau en désordre du policier. Je t'ai eu. Dégueulasse. Eh bien, le pop-corn, c'est la vie. Excusez-moi, je suis juste venue nettoyer votre bureau. Oh, vous avez aussi de la saleté sur la bouche. Aïe! Ma moustache est coincée! Ça l'occupera. Oh là 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 là! Hé, hey, fiston, c'est moi, ton papa! J'ai caché tes bonbons dans cette serpillière. Cool! J'adore les Mentos! Qu'est-ce qui se passe? Oh, attends, je vais t'aider! Il y a encore une chose. J'ai aussi apporté du Coca-Cola dans un flacon pulvérisateur. Tada! Waouh! Ce hack est tellement intelligent! Presque! Je t'ai eu! J'y vais maintenant! Au revoir! Ça va, patron? De quoi ai-je l'air? Regardez dans le miroir! Mes lèvres sont pulpeuses! Oh oui, beau gosse! Aiden n'est pas vraiment malade. Il fait semblant. Oh non! C'est la pandémie! Dépêche-toi, va chercher les masques et l'alcool. Bon travail, mon fils. Maintenant, c'est mon tour. Je vais mettre ces bandes acidulées sur ce masque facial. C'est l'heure du spectacle. À l'aide! Nous avons besoin de masques, s'il vous plaît. Bien sûr. Dépêche-toi de les mettre. Nous ne pouvons pas tomber malades. Tape mon sang, fiston. Ce masque est en fait un bonbon. Miam! Joli! C'est l'heure du déjeuner. Voici ton porridge. Berk, ça a l'air dégoûtant. Je n'aime pas ça. Je ne vais pas le manger. Je vais juste le jeter dans les toilettes. C'est tellement dégoûtant, je vais tout jeter. Regarde, le tuyau de la prison est relié à celui de papa. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la bouillie ou du vomi. C'est dégueulasse. Oh, ça vient de la cellule d'Aiden. Je reviens tout de suite. J'ai apporté beaucoup de bonbons et de chips. Comme nos tuyaux sont connectés, je peux facilement les envoyer dans la cellule d'Aiden. Quoi? C'est quoi ce bruit? Attends, ce sont des chocolats? Il pleut des chocolats! Waouh! Donne-moi plus! J'en ai un! Je vais continuer à les faire venir. Oh mince! L'eau! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'entends un bruit. Je pense que ce sont les toilettes. Allons jeter un coup d'œil. Oh! Mon visage! Berk, tu as besoin d'une douche. J'ai tellement soif. Berk, l'eau est si sale. Elle a l'air dégoûtante. Je ne vais pas boire ça. Il y a même une touffe de cheveux. C'est dégoûtant. Officier, par ici. Qu'est-ce qu'il te faut? J'ai soif. Tu ne peux pas boire directement au robinet? Essaie. Tu vois, c'est bon. Laisse tomber.
Je vais appeler un plombier. Un problème d'eau? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Waouh! Vous êtes super rapide, hein? C'est moi, papa! Je savais que tu viendrais! D'accord, réglons ton problème. J'ai apporté un Coca-Cola. Je vais mettre le tuyau d'eau dans le Coca-Cola. Mais ce n'est pas tout. J'ai apporté du pop-corn où nous mettrons l'autre tuyau. Super, j'ai terminé. Profite de ton goûter et de ta boisson. À tout à l'heure. Le côté gauche distribue du pop-corn. Waouh, c'est beaucoup. Et le côté droit distribue du Coca-Cola. J'ai une friandise 2 en 1. Oh oui, je suis tellement rassasiée. C'est la meilleure astuce qui soit. C'est quoi ce bruit? Eh oh! Wow! Pourquoi le sol bouge? Est-ce que c'est un monstre? J'ai tellement peur! S'il te plaît, me fais pas de mal! S'il te plaît! Détends-toi, ce n'est que moi, papa! Je t'ai apporté de quoi grignoter! J'ai un Kit Kat et un... crâne? Wow! J'ai dû ramener ça de la terre! Sa mâchoire se détache! Attends, j'ai une idée! Fais semblant d'avoir une dent cassée et remplace ce numéro d'urgence par le mien. Ils m'appelleront à la place. En cas d'urgence, ils appelleront mon papa. Hein? Toutes mes dents sont tombées. Dégoûtant. Je vais m'évanouir. Quel est le problème? Ce sont tes dents? Il faut appeler le médecin. Papa, je veux dire, le docteur est là. Ne t'inquiète pas, je sais comment réparer ça. Peut-être qu'il y a aussi un médicament pour l'évanouissement. Tu es prêt à voir ce que j'ai? C'est juste là, dans ma trousse médicale. C'est assez gros. Une seringue. Mais c'est du Sprite. Essaie un peu. Laisse-moi essayer. Miam, miam. Je vais essayer de creuser un trou dans cette cellule avec une cuillère. Non, j'ai peut-être besoin d'une brosse de toilette. Très bien, je vais utiliser un marteau alors. Ah! Ça a marché! J'ai fait un trou géant! Waouh! Hé, qu'est-ce que tu regardes? Attends, un trou? Tu essaies de t'échapper? À l'aide! Constructeur! Je suis là et je vais le réparer. Pourquoi ton visage me semble-t-il familier? Oh oh! Va-t-il découvrir que c'est papa? Ah, j'ai oublié. Ne t'en fais pas. Ouf, il s'en est fallu peu. Attends, j'ai apporté quelque chose. Tada! De la barbe à papa. Je vais utiliser la barbe à papa pour couvrir ce trou. Remplissons-le. Aplatissons-la. C'est parfait. Mettons une affiche ici pour le couvrir. Hé, je te connais. Tu es le père du petit. Ah ah! Sors d'ici. Tu ne peux pas me tromper. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une affiche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh, rien d'étrange. C'était moi une. Je vais prendre ma barbe à papa maintenant. C'est délicieux. Apportez-moi de la nourriture. D'accord, d'accord, voilà. Donnez-moi ça. Attends, c'est trop tentant. Je dois le manger moi-même. Tu en veux encore? Tu as tout mangé! Oups, je suis désolée. Tu sais quoi? Je reviens tout de suite. Je sais qu'il y a de la nourriture cachée quelque part. Ah! Il doit être dans ce coffre. Le voilà! Le cornichon très spécial. Il est unique en son genre. Tiens! Mange! Pourquoi ai-je peur d'ouvrir ce bocal? Y a rien à faire! Oh non! C'est un cornichon empoisonné! J'ai la tête qui tourne! Excusez-moi, je passe par là. Cette zone est interdite. Ce cornichon contient des matières radioactives et ne doit pas être mangé. Attention! Nous devrions le jeter tout de suite. Tout est fait ici. Aïe! Un cornichon? Super, j'ai un manca! Berk! Ouf! En fait, c'est moi, ton papa! Tu as apporté des snacks? Oui! Ce sont des bonbons aux déchets toxiques! Tu n'as qu'à les tremper et à les savourer!
C'est tellement aigre. Mais c'est tellement bon. Il n'y a plus rien à manger. J'ai tellement faim. Est-ce que ce père est habillé comme un enseignant? Les visiteurs ne sont pas autorisés. Je ne suis pas un visiteur. Je suis ici pour vous donner une leçon. Maintenant, commençons. Pourquoi devons-nous être ici? Je n'ai pas de stylo. Excusez-moi, monsieur l'agent. Puis-je vous emprunter un stylo? Bien sûr, j'ai un stylo juste ici. Berk! Tiens, tu peux utiliser ce crayon à la place. J'ai pris un morceau de chewing-gum et je l'ai roulé pour en faire une ficelle. Puis j'ai remplacé la gomme par le chewing-gum. Waouh! J'ai un goûter! Laisse-moi essayer. C'est si moelleux. On peut manger des gommes? Je vais essayer la mienne aussi. La mienne a un goût épouvantable. Tu es stupide. Ce n'est pas de la nourriture. J'ai aussi ce coupeur de bonbons. Tu as remplacé la lame par des bandes acidulées. C'est très astucieux. Miam. Je ne comprends pas cette leçon. Tu auras peut-être besoin de plus d'outils pour cette équation alors. Voici une trousse à crayons avec un bâton de colle que j'ai aussi modifié. J'ai pris plus de chewing-gum et je l'ai mis à l'intérieur. Ça ne ressemble même pas à un bonbon. Ouah! Je veux essayer. Est-ce que c'est un bonbon collant? Ouah! Il a tellement de chewing-gum. Il faut que j'essaie. C'est tellement sucré. Il mange de la colle maintenant. Je savais que c'était de la nourriture. Je vais te le prouver. Oh oh! Ce n'est pas la bonne sorte de colle. Maintenant, les lèvres du policier sont collées l'une à l'autre. Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche? Es-tu fou? Pourquoi as-tu mangé de la colle? Il est temps de commencer ton test. Professeur, je dois aller faire pipi. Voici ton devoir. Je vais me cacher sous la table. Tu peux commencer le test. Et tu as le test le plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non! Je sais! Je vais trouver les réponses sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu triches dans ma classe? Oh non! Le téléphone est tombé dans un seau toxique. Ce sont des gants? Je vais gonfler le gant et le transformer en ballon. Ensuite, je l'utiliserai comme fausse main. Pendant que j'utiliserai ma vraie main pour tenir le téléphone et chercher les réponses du test. Regarde, professeur, j'ai fini. Fais-moi voir. Sympa, tu obtiens une note parfaite. Wouhou, j'ai réussi. Top là. Oh oh, l'astuce d'Amelia a été découverte. Ma main va très bien. Pas de bonbons en classe. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Recrache-le. C'est juste un chewing-gum pour les yeux. Tu es vraiment un rabat-joie. Suivant. Pourquoi ton ventre est-il si gros? Je me sens juste pleine. Ah bon? Il faut que je vois ça par moi-même. Ah ah! Ce sont des bonbons. Tu ne les apporteras pas à l'intérieur. Laisse-moi te scanner aussi. Très bien, pas de bonbons. Tu peux entrer. Il ne sait pas que je garde mes oursons en gélatine dans mes biceps. C'est quoi cette odeur? Je crois que j'ai envie de vomir. Hé, je crois que tu as besoin de ce savon, mon grand. Ouf, j'ai besoin d'un moment. Oh, j'ai une idée. Attends, je reviens tout de suite. Je sais que les snacks ne sont pas autorisés à l'intérieur, alors je vais faire un acte de Skittles. Tout d'abord, je vais regrouper chaque couleur, puis les mettre dans une seringue. Mets-la dans un bol d'eau chaude pour la faire fondre et attends un peu. Regarde, les Skittles se sont transformés en liquide. Je vais mettre ça dans un autre récipient et le laisser durcir. Des Skittles déguisés en savon. Laissez-moi vous aider, monsieur l'agent. Je peux entrer maintenant? Attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est juste du savon pour Adam. Tu te souviens comme il sent mauvais? Il a vraiment besoin d'un bain. Miam, miam. Oh! Tu as raison. Dépêche-toi de lui donner un bain. Yay! Le piratage a fonctionné. C'est trop mignon. Depuis quand on peut manger du savon? Je devrais en prendre une bouchée. C'est délicieux. Oh mon Dieu, tu viens de manger du vrai savon? Il était tellement rassasié qu'il a commencé à rôter des bulles. Les résultats de ton test sont arrivés.
Stinky, tu as eu un C-. Ellie a eu un A-. Un F? Ha 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 ha! Bien sûr que c'est toi, Joshua. Abelia a obtenu un D-. Quoi? Mais j'ai bien étudié pour ce test. D'accord, rendez-moi vos papiers. Je dois encore les enregistrer. Wouhou! Je suis de si bonne humeur aujourd'hui. Bye bye! Laisse-moi poser ces papiers sur le bureau. Nous voulons changer nos notes. S'il vous plaît! Laisse-moi m'occuper de ça. Tout le monde recule. Pourquoi est-ce que je vois des étoiles? La protection est indispensable. Je vais ouvrir le portail avec une lime à ongles. Écoute, je peux juste passer par le conduit d'aération qui se trouve ici. J'ai les papiers. Il est temps d'y retourner. Oui, on a réussi? Non! Les gars! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les copies d'examen. Tu es si intelligente. Maintenant, ils peuvent tous changer leurs notes et faire croire qu'ils ont tous eu des A. La lettre n'a pas d'importance si tu sais comment en faire un A. Bravo! Nous avons tous réussi le test. Bon travail, les gars! Nous avons tellement faim! Donne-nous notre nourriture! Goûte ce porridge! Hein? Moi ensuite! Burk, ça sent mauvais! Et toi, petite fille? Oups, j'ai fait tomber ma taupe, là. Burk! Voilà, mon grain de beauté a repris sa place. Ok, en voilà un pour Adam. Quel beau jeune homme! C'est vraiment dégoûtant. Un délicieux repas de hamburger pour le flic. Hein? On peut avoir des hamburgers, s'il vous plaît? S'il te plaît! D'accord. Je vais juste mettre un rideau pour que tu ne puisses pas me voir manger et que tu ne sois pas jaloux. Au moins, on a une pomme. Est-ce que c'est un verre? Tu as lancé la pomme et elle a atterri dans le pot de Nutella du policier. Dégueulasse! Je ne veux plus de ce Nutella. Tu peux l'avoir. Yay! On a de la sauce Nutella. Attends un peu, j'ai un grappin. On va prendre les Skittles du flic pendant qu'il dort. J'ai la marchandise. Deux garnitures, la perfection. Je vais juste prendre une quille. Je veux beaucoup de Skittles. Bon appétit à tous. Oh! C'était une bonne sieste. Ce sont mes Skittles. J'ai besoin de les récupérer. Hein? Viens ici, ma chérie. Non. Je vais te préparer plus de nourriture. Tout le monde, écoutez. On dirait que personne n'écoute la leçon. C'est comme une zone de guerre ici. Ne bougez plus. Vous entendez ça? Quelque chose dans le ciel. On approche. Les lumières se sont éteintes. Aide-moi! Je ne vois rien. Je deviens fou. Ne paniquez pas, les gars. Heureusement que j'ai apporté ces mini-lampes. Venez par ici et aidez-moi. Chacun d'entre nous a une lampe. Amelia, peux-tu me passer le verre? Joshua, peux-tu me passer les boules d'eau? Prends une monte et mets-la dans le pot d'eau. Maintenant, ajoute les boules d'eau. Regarde toutes les bulles. Voilà, c'est une lampe à lave bricolée. Wow, c'est incroyable! Les lumières sont de nouveau allumées. Oui, c'est ça. Tout le monde retourne en classe. Attendez, vous n'êtes pas quatre? Où est l'autre? C'est quoi ce truc qui secoue? Ouah, je veux dire que je suis super fort. Mais tu as crié comme un bébé. Je suis arrivée en classe, professeur. Va à ta place. Hein? Pourquoi tout le monde réagit comme ça à mon visage? Oh mon Dieu, regarde-toi dans le miroir. Je vais m'évanouir. Tout le monde recule. Je dois réanimer le patient. Docteur, sans problème, c'est son visage. Oh, je vois. Je pense qu'elle a la varicelle. Wow! Nous devons lui faire une piqûre. N'aie pas peur. Il n'y a pas d'aiguille, juste un masque. Tu vois, elle ne branche même pas parce que ça ne fait pas mal. Il est temps d'enlever le masque. Es-tu prête? Je vais le faire doucement. Regarde, elle s'est débarrassée de la varicelle. Je me sens à nouveau en pleine forme. Yay! Allons-y, Ellie!
Waouh, je suis surprise qu'une si petite fille puisse boire une bouteille entière de Coca-Cola. Oups, j'ai vraiment envie de faire pipi. S'il vous plaît, j'ai besoin de la salle de bain. D'accord, tu peux y aller. Et nous? Vous pouvez y aller après le cours. Je ne peux plus me retenir. Oh, je sais, je vais juste faire caca sur les plantes. Quand la nature t'appelle, tu retournes à la nature. Oui, ça fait une journée entière de nourriture. D'accord, j'ai presque fini. C'est un engrais naturel. Hé, hey, j'ai besoin de fertiliser les plantes. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as besoin, les plantes vont bien. C'est quoi ce gadget? Tu peux l'échanger contre mes vêtements d'entraînement. Oh oui, cela rendra mes biceps plus forts. Hé, hey, je vais me cacher derrière les plantes et faire pipi dans ces toilettes portables. Enfin, quel soulagement. Oh oh, le flic. Je suis là pour arroser les plantes. Je les ai déjà arrosées. Au revoir. Ouf, je suis de retour. Voici ton tuyau d'arrosage. Je te remercie. Pas de problème. Voici ton gadget pour le bras. Je peux à nouveau utiliser ce tuyau. Hein? Je vais le presser maintenant. Non! Oh mon Dieu! Cet endroit est sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu vas faire? On va juste te faire un bon petit plongeon. Pauvre Lé, ces brutes vont lui plonger la tête dans les toilettes sales. Qu'est-ce qui se passe, Bonson? Est-ce qu'on a des problèmes? Je viens juste changer le calendrier. Très bien, les garçons. Bon, je crois qu'on devrait retourner s'amuser. Arrêtez! Vous me donnez le vertige! Je vous déteste, bande de brutes. Vous allez goûter à ma vengeance. Elle était comme une brosse à chiottes. Viens ici, Hélé. Wow, Hélé a des problèmes. Hein? Hélé sera ton nouveau professeur. La première leçon qu'elle t'apprendra sera de nettoyer les toilettes. Oh, comme les rôles sont inversés. Continuez, les garçons. On ne s'arrête pas tant que je ne l'ai pas dit. Aïe, tu m'as frappé. Tu m'as frappé en premier. Quelle belle et douce vengeance. J'ai mal au ventre. J'ai besoin de manger quelque chose. Je n'ai pas d'autre choix que de manger du papier toilette. Ce n'est pas si mal. Je peux peut-être y ajouter du dentifrice pour le transformer en chewing-gum. Demander de l'aide et l'écrire sur du papier toilette. Ensuite, je le mettrai dans une bouteille et je tirerai les chaises d'eau en espérant que ça ira dans mon tuyau. Au revoir! Hein? C'est quoi ce bruit? Il vient des toilettes. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un message dans une bouteille? Au secours, je meurs de faim. Ce doit être ma fille. Attends, si ça vient des toilettes... Ça veut dire que le tuyau de mes toilettes est connecté au tuyau des toilettes de ma fille en prison. Je peux lui envoyer de la nourriture là-bas. D'accord, commençons par les boissons. Je vais lui envoyer du Coca-Cola. Ça marche! Ça atteint son tuyau! Waouh! Il y a une fontaine à soda! Je voudrais un verre de soda, s'il vous plaît. Il faut que le verre soit plein. Attends, je dois faire un test de goût. Et si ça avait le goût de l'eau des toilettes? Waouh! C'est du soda! J'envoie des guimauves ensuite. Je vais tout verser. Il pleut des guimauves! Je vais en attraper une dans ma bouche. C'est si doux et si moelleux. Même moi, je ne peux pas résister à ce chocolat. Ma fille va l'adorer. Toute cette eau va faire fondre le chocolat. Pas question! Une fontaine de chocolat cette fois-ci? La sauce parfaite pour tremper mes guimauves. Mort instantanée! C'est tellement délicieux! Je vais lui donner des Skittles ensuite. On dirait qu'elle les a eus. J'en enverrai un autre. Oh non! Pourquoi Mila n'a-t-elle pas son goûter? Je vais tout verser. Le tuyau de Mila est surchargé. Les Skittles se dirigent tout droit vers les toilettes du policier. J'ai besoin des toilettes. Hein? Aïe, aïe, aïe! Qui tire sur mes fesses? Il doit y avoir un ennemi. Montre-toi!
Wow, ce sont des Skittles? Mon chapeau, je dois sortir d'ici. Mets-toi à l'abri, il y a une tempête de quilles qui s'annonce. C'est donc là que se trouvent mes Skittles. Burk, je ne peux pas manger cette bouillie. Elle est dure comme une pierre. Je ferais mieux de la jeter dans les toilettes. Ce n'est pas la nourriture que je veux. C'est dégoûtant. D'accord, au revoir, vilaine bouillie. Hein? Oh non, je ne peux pas tirer la chasse. Le flic va m'attraper. Allez, allez, allez. J'ai bouché les toilettes. Le flic arrive. Je vais m'asseoir et faire comme si rien s'était passé. Qu'est-ce qui se passe ici? J'entre. Tu n'es pas obligé de le faire. Je ne fais que jouer, c'est tellement amusant. Éloigne-toi des toilettes. Je suis trop cool. Ça suffit, sors de là. Qu'est-ce que tu... Les toilettes se sont transformées en fontaine d'eau. Il faut appeler un plombier. Allez, viens. Par ici, à droite, maintenant. Je suis là. Quel est le problème? Est-ce que ce plombier te dit quelque chose? Je vois le problème. Ce sera facile à réparer. Tu es sûr de pouvoir le faire? D'accord, je l'ai. Il y a une crotte géante dans les toilettes. C'est ce qui les obstrue. Je crois que je vais vomir. Mon truc a marché. Tu veux ça? Non! C'est compréhensible. En fait, c'est moi, ta maman. J'ai fait semblant d'être un plombier pour pouvoir te donner en cachet des collations. Du Nutella! Je meurs d'envie de manger quelque chose de bon. C'est vraiment délicieux. C'est quoi ce bruit? Ouais, est-ce que je rêve? Je crois qu'un prisonnier est poursuivi par un flic. S'est-il échappé? Il est effrayant. Bonjour, Mila. Alors, tout rouge, un prisonnier s'est échappé. Je te tiens. Retourne dans ta cellule, n'essaie pas de t'échapper. Oh non! Aïe! Tu ferais mieux de bien te tenir. Prisonnier sécurisé. Peu importe. Bonjour, ma chérie. Oh, attends, tu ne me reconnais pas? C'est moi, maman. Maman, c'est toi! Je t'ai apporté un goûter. Je ne comprends pas. Cette boule de fer est en fait un gâteau. Délicieux! Regarde, c'est un gâteau arc-en-ciel. Tiens, tu peux en prendre une part. Waouh, c'est assez lourd. Peux en prendre une bouchée maintenant? Je vais dessiner de faux boutons sur mon visage, comme les Skittles sous le visage du flic. Hein? Une épidémie de virus? Regarde ton visage, on dirait que tu as attrapé le virus des boutons. C'est pas ce que tu crois, ce ne sont que des Skittles. Je crois que tu es malade, on dirait que c'est elle qui te l'a refilé. Nous devons te faire une piqûre. Penche-toi, l'injection doit aller dans tes fesses. Non! On dirait que mon astuce a fonctionné. C'est moi, maman. Ces photos sont vraiment des bonbons. C'est délicieux. Prends un Sprite ensuite. Et le meilleur, des Skittles. Bravo! Je voulais ça depuis si longtemps. Je me sens si bien. Je suis si heureuse que je peux danser. Je déteste mes boutons. J'ai juste envie de les faire éclater. Beurk, il y a tellement de pus dans les boutons. Je suis esthéticienne. Laisse-moi t'aider. Aucune nourriture n'est autorisée. Mets-les dans la boîte, maintenant. C'est pour ton visage, idiot. Qu'est-ce que c'est? Chut! Détends-toi. Je suis là pour t'aider avec tes boutons. D'abord, nous avons besoin d'une banane. Je vais la passer au mixeur. Puis un kiwi et des framboises. Après avoir mixé le tout, cet appareil le transformera en masque pour le visage. Maintenant, nous allons mettre ce masque sur ton visage. Et quelques tranches de kiwi pour détendre tes yeux. Ce minuteur devrait te dire quand c'est fini. C'est l'occasion de manger en cachette. J'ai le sablier le plus long. Waouh, tu as apporté de la pastèque. Elle existe aussi en différentes formes amusantes. C'est le meilleur goûter qui soit. Ma maman et moi, faisons un trou dans ma cellule pour qu'elle puisse manger en cachette. Je dois me dépêcher, le flic pourrait m'attraper.
Elles sont prêtes pour que Mila ait son goûter. Je crois que je l'ai. Oui! Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Chut! Attends un peu. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu crois faire? Non! Maintenant, tu te tais. Je reviens avec tes bonbons. Oh mon Dieu, maman ne sait pas qu'ils vont aller dans la boîte confisquée. Ha ha, continue à les faire venir. J'en ai d'autres. Où est Mila? Ha ha. Tu as fait un sacré trou ici. Nous devons le réparer. Je vais appeler un entrepreneur pour qu'il nous aide. Hé, hey, je suis l'entrepreneur. Quel est le problème? Nous avons juste besoin que tu recouvres ce trou. Oh, celui qui a fait ça est un génie. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Reculez, envoyez le matériel. Tout le monde s'écarte du chemin. Arrêtez! Descendez, les gars. Ce sont des paquets de nouilles? Qu'est-ce que c'est? Je croyais que tu apportais des briques. Cette nouvelle brique est plus avancée. Nous allons utiliser les nouilles pour remplir le mur. La super colle fera l'affaire. Il suffit de coller les nouilles et le tour est joué. Attends, il manque quelque chose. Je vais écraser les nouilles jusqu'à ce qu'elles soient en poudre. Ensuite, je les mélangerai à de l'eau chaude. Nous utiliserons cela pour peindre les nouilles et les faire se fondre dans le mur. Est-ce que c'est prêt? Attends, j'ai un appel. Je dois y aller. Ouf, il est enfin parti. Maman! C'est toi! Je t'ai apporté des nouilles. On va les faire bouillir dans de l'eau et attendre quelques minutes. Regarde, ça commence à bouillir. Bon appétit! Waouh! J'ai hâte de goûter! Oh, ma pauvre fille devait avoir tellement faim. Je suis ici pour voir ma fille. Ce suite à capuche est suspect. Vas-y, saute! Sauter? Oui, saute! Va plus haut! Oh non, mon goûter est tombé de mon suite à capuche. J'en étais sûre. Ces collations sont confisquées. Maintenant, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sont des pièges à souris. Le flic déteste les souris, hein? J'ai une souris jouée juste ici. Cela va le distraire, le flic. Wow! Non, non, non! Regarde, je suis une souris géante. Bye bye! J'ai le goûter. Hein? Tu viens de manger une souris? Non! C'est dégoûtant! Regarde, je t'ai apporté de vraies casse-croûtes. Ah! Je suis de retour! Aïe! Les souricières ont attrapé un flic à la place. Je suis ici pour voir ma fille. Ce suite à capuche est suspect. Vas-y, saute! Sauter? Oui, saute! Va plus haut! Oh non! Mon goûter est tombé de mon suite à capuche! J'en étais sûre. Ces collations sont confisquées. Maintenant, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce sont des pièges à souris. Le flic déteste les souris, hein? J'ai une souris jouée juste ici. Cela va le distraire, le flic. Wow! Non, non, non! Regarde, je suis une souris géante. Bye bye! J'ai le goûter. Hein? Tu viens de manger une souris? Non! C'est dégoûtant! Regarde, je t'ai apporté de vraies casse-croûtes. Ah! Je suis de retour! Aïe! Les souricières ont attrapé un flic à la place. Vite, cachons-nous ici derrière le gymnase. Allons nous cacher derrière les boîtes. Choisissez votre propre boîte. Chacun pour soi! Les étudiants sont dans leur cachette. Où sont-ils passés? Comment vais-je? Je sais! Il est temps de faire tourner la roue pour choisir mon arme. Voyons, laquelle de ces options vais-je utiliser pour détruire les boîtes? Tourne, tourne, tourne! Tellement d'options! Une seringue! Ça signifie que je vais appeler le mauvais docteur. Waouh! Une énorme seringue! Où est mon baiser? Fais juste ton travail! Je suis tellement nerveuse! Oh non! J'entends quelqu'un arriver! Je crois que je vais commencer par cette boîte de basket. C'est parti! Au revoir, qui que ce soit là-dedans! Bien joué! Oh non!
Il a percé mon chapeau. Il est coincé. Tu sais clairement pas faire ton travail correctement. Laisse-moi m'en charger. Un chapeau? C'est le chapeau de Pomni. Elle doit se cacher dans cette boîte. Je t'ai eu maintenant, fille clown. Oh non! Haya! Haya! Je dois continuer à éviter l'aiguille, sinon elle va m'attraper. Oh non, le ballon commence à se dégonfler. C'était si intelligent. Tu ne peux pas te cacher de moi maintenant. Je t'ai attrapé. J'accepte mon destin. Allons-y. Tu ferais mieux de te comporter à ton bureau. Je vais te contenir avec des menottes. Parfait. Pomni est rayée de ma liste. Maintenant les autres. Prochaine arme à utiliser. Les entourer la roue. Du slime? J'ai un seau plein de slime. Quelqu'un va en avoir pour son grade. Je devrais le verser dans cette énorme boîte à mugs Stanley. Oh non! Elle est sur moi! Oui, c'est parti! Berk! Il y a tellement de slime! Sa tête! Je me rends, professeur! Direction la classe! On y va! Assieds-toi et reste là! Oh non, pas la classe! Je vais te menotter pour être sûr que tu ne t'échappes pas. Ken est attrapé. Il me reste d'autres élèves à attraper. D'accord, voyons ce qui vient ensuite. Retournons à la roue. La police? Je vois que vous avez amené un chien avec vous, officier. Fais renifler tout ce qui te semble suspect. Je grille juste mes saucisses. J'ai faim. Eh bien, le chien est certainement attiré par cette nourriture délicieuse. Oh non, on doit induire le chien en erreur. Emmène les saucissons ailleurs. Allez, allez, allez. Oh là là, la chose a placé les saucisses sur l'enseignante. Le chien? Non! Bien joué. Le chien a senti les saucisses. Maintenant, c'est ma chance de m'échapper. Je vais me transférer vers une nouvelle cachette. Ah! Dégage! Je l'ai attrapé! Oh, quel désordre! Celui qui est derrière cette boîte va payer pour ça. Il est temps de détruire cette boîte une bonne fois pour toutes avec une boule de démolition. Hiya! Hein? Elle est vide? Mais quelqu'un était définitivement ici. Oh, ce gamin est malin, hein? Je t'attraperai la prochaine fois. Je ferais mieux de faire tourner. Voyons. Des muscles. Ça va être excitant. Regardez ce costaud. Je veux que tu soulèves cette boîte là-bas. Vite! J'invoque ma super force! Je vais souffler de l'air pour l'empêcher de la soulever. Pourquoi est-ce si lourd? Pourquoi il n'arrive pas à soulever? Oh! Je suppose que c'est le moment de montrer mes compétences de gym. Je vais m'en occuper. Tu es trop faible. Dégage ici. Je peux le faire moi-même. Hiya! Oh non! C'est la fin pour moi! Te voilà, garçon de l'air. On pourrait dire que je suis une maîtresse de la force. Allons en classe. Non, je ne veux pas aller en classe. Tes lamentations ne me servent à rien. Voyons qui d'autre est sur la liste. Aang est attrapé. Il en reste d'autres. Qu'est-ce qui vient ensuite sur la roue? Allons-y. Une hache? Génial. C'est l'heure de mettre fin à ce jeu du cache-cache. Oh non! Elle nous a trouvés! Sors de là! Je sais que tu es là-dedans! Ne me force pas à te frapper avec cette hache! Bon, je vais te trouver moi-même. Allô! Je t'ai maintenant! Que faisons-nous? T'emboutant, utilisons-le comme pistolet à eau. Hé! C'est dégoûtant! Arrêtez ça! Aïe! C'est dans mon œil! Je ne vois rien! Regarde, échappons-nous par la bouche d'aération. Bonne idée. Fais attention à ta tête, c'est assez étroit ici. Dépêchons-nous, je ne peux pas respirer. Où sont ces gamins maintenant? Je sens où ils sont allés. En avant! Les filles sont arrivées à la cafétéria. Elles arrivent. Cachons-nous derrière la boîte. Je vais me cacher dans l'autre boîte.
Où sont-elles? Toute cette poursuite m'a vraiment donné soif. Waouh, une énorme bouteille de Coca-Cola. Quelle synchronisation parfaite. Je pourrais finir toute la bouteille. Mais Mercredi est à l'intérieur. J'ai une paille géante pour le coca géant. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est délicieux. La bouteille vide va révéler où je suis. Ah ah, te voilà. Je t'ai attrapé maintenant. Allons en classe. Je t'ai finalement eu, fille effrayante. Je vais me noter moi-même. Et c'est moi sur la liste. Tu peux la rayer maintenant. Arrête de me dire quoi faire. C'est mon boulot d'être effrayante. J'ai tellement faim. Oh, attends, je dois faire tourner la roue. Voyons. Attends, c'est déjà l'heure du déjeuner. Je ne veux pas de ça. Passons au couteau et à la fourchette pour que je puisse manger mon déjeuner. Couteau et fourchette prêts. Délicieuse pizza. Coupons une part. Oh non! Elle m'a trouvée! Une pizza bien juteuse, s'il vous plaît. Non! C'est la fin pour moi. Alors, tu te cachais là tout ce temps? Allons en classe, d'accord? Je vais aussi te menotter au bureau. Arrête de pleurer, c'est agaçant. Votre dernier camarade de classe. Maintenant, nous avons une présence parfaite. Nous pouvons commencer ma classe. Regardez le tableau. Il y a de nouvelles règles que vous devez suivre ou vous n'aimerez pas les conséquences.